Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Slave Spire, c'est Malukus pour vous servir encore une fois. Aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va passer en Ascension 2 avec le défectueux. On va le finir enfin cette fois, j'en ai marre, je veux juste monter mes ascensions. Et on est parti. Alors, retirer 2 cartes, PVMAX plus 7. On peut retirer 2 frappes. Si on va pas jouer avec des frappes, c'est déjà ça de fait et c'est pas mal. Voilà, pas besoin de réfléchir, on va par là, j'ai vu un élite à droite. Défense, défense, et deux activations, on en tue un, voilà, c'est nickel. Oui, alors, le but ça va vraiment être de finir l'ascension avec notre très cher et aimé surtout. Défectueux. Oui, c'est bon. Bon, j'ai lancé le record, j'avais peur de ne pas l'avoir fait. 7 points de dégâts, piocher une carte pour chaque carte différente que vous avez. Décharger des batteries me paraît pas mal. On va essayer de se faire le plus d'élite possible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, comme d'habitude. Bon, ça se fait que j'ai eu 4 d'énergie. Ah oui, c'est vrai. C'était la carte d'avant. Moi, ça va, comme d'habitude, hein, tranquillement. La vie suit son cours et on essaye de défoncer les ascensions. Surtout ça, c'est le plus important. Rebond. Non, boucle. Boucle, c'est fort. Tac. Est-ce que ça peut one-shot celui de gauche? Ça va. On peut le tuer en tout cas. On prend un peu, mais ce n'est pas si grave que ça. Boucle, électrisation, défense, défense. Et on se met bien. Tac. On grind tout doucement. Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas vraiment de dégâts au début. Avec notre très cher ami. Turbo toujours pas. On va essayer rebond. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment d'autres choix? On a un élite en feu. Là, on a élite feu aussi. Pif, tac, feu, élite. Ouais, ça me paraît bien. On a deux élites là-dedans. Là pareil, on aurait deux mobs, un feu. Ça me paraît bien de ce côté. On va rien pouvoir lui acheter dans tous les cas. Ouais, c'est pas fou. J'aurais bien aimé prendre ça. C'est dommage. Ah, c'était se faire du mal. Alors. Décharger des batteries. Activation double, défense, et on prend la potion d'épine. Eux ils risquent de me faire très mal. Au moins on tue un sur, électrisation. Double frappe ne le tuera pas, on va défendre. Et on va frapper celui-ci à 25, là, il me faire très très mal à le prochain tour. Voilà. Il fait 30 et c'est très problématique. On peut pas le tuer. Du coup, on prend. Boum. Rebond. Activation. Décharge les deux. Ça m'embête, on a quand même pris assez cher. Tac, on a dit feu élite ou élite direct? T'as élite à 40 HP? C'est un des meilleurs chemins. Oh là 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 là, c'est vrai que c'est lui. Alors attendez. Le problème c'est que l'activation double ne coûte pas 0. On peut jouer rebond, décharger les batteries.
c'est une compétence, mais en soi... Ils sont là, clairement. Je retrouve à 9 si je fais une défense. Il va gagner 2 de force, ça sert à rien. Ok, attrape-rêve, ça peut être pas mal. Tampon me va aussi. Il faudra juste qu'on améliore ces cartes, après ça devrait être... condensateur, ok. Pif, gagner 100 d'or, 275. Prends des risques dans la vie. Pointe de stylo, boucle et saphir. Toujours la relique pour l'instant. Ça fiche un peu. Nickel. Alors, bracelet de Jutsu me va. Non. Oh, le fondeur peut être pas mal aussi. On a 391 gold, on peut prendre le bracelet. Le bracelet ou le coffre. On n'en prend qu'un. Le bracelet me va. Ça se joue autour des cartes. Pif. On vire ça. Et on prend fondeur. Ça me paraît pas mal. Ok. Ça fait quand même 10 de dégâts gratuits. J'aurais peut-être dû focus sur. Alors, décharge, tac. En 10. Est-ce que ça boucle? Enfin, est-ce que du coup, c'est le fait deux fois? Parce qu'en soi, si c'est le fait deux fois, c'est très fort. On a encore un élite. Non. Non. Bah, saut, quoi que c'est mieux qu'une armure, saut, en fait. Les charges. Électrisation. J'aimerais jouer les deux boucles et le condensateur là. Boucle, condensateur. Dès que ma pioche aura fait un tour, ce sera fini. Tampon. Boucle, saut. Décharger les batteries. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le tampon, j'aurais mieux fait, ouais. Rebond, activation. Frappe. Et au prochain tour, il est parti. Ok. L'art de la guerre me va mieux. Arc-en-ciel ou ténèbres? Ténèbres. C'est la 10ème attaque. On va essayer de garder pour le fondeur. Parce que là, clairement... Ça fait mal. Ça fait très très mal. Décharge électrique, tampon. Commentateur. On prend 0 là. Alors attendez.
Tac. 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 Ok. Fondeur. Électrisation. Dommage. On a quand même pris Bagdad en sursaut. Pas sur ce combat. Mmh. 4 x 5, c'est pas fou. 6 x 5, 35. C'est pas fou non plus. Bon, par contre, clairement, on va arriver au boss avec très peu d'HP. Ça me fait. J'ai pas du tout confiance en ce qui va se passer là sur là. Ben 6 x 3 ça fait beaucoup. On a aucune carte là qui peut nous sauver. En fait, je la garde pour plus tard. Alors, attendez. Tac, tac. Non, du coup, il est pas là. 9. Il me fait 10. Donc, je prends 1 là-dessus. Ah mince, j'avais le tampon, c'est vrai, j'aurais dû garder. Les brûlures risquent de me fuck un moment. Allez. J'ai pas le choix, fallait que je le tue parce que là il va me déboîter. Ah non, ça va. C'est plutôt bien passé en soi. Allez, salut. oui, ça me va. J'ai l'impression de faire le même deck à chaque fois, hein, vraiment. Allez, c'est parti. Ah. Plus reposer, non. Plus gagner d'or, non. Si. Remplace cœur fissuré. Non, mais cœur fissuré, c'est bien. On a un orbe chéronique, on joue orbe chéronique. Un dernier énergie en soi c'est fort mais on n'en a pas vraiment besoin. On a l'art de la guerre et ça nous convient parfaitement. Parce qu'en soi, à niveau attaque, on a deux attaques. 3, 4. On en a 4 et tout le reste c'est des compétences et des pouvoirs. Par là, par là, par là, par là, par là. On va essayer de prendre le plus de feu possible sur eux. Comme ça, on se fait un élite à la fin. Si on a vraiment de la chance de perdre. Son élite, comme ça, on a la chance de pouvoir perdre sur la fin, c'est pas mal. 9 ou 7. 7, on donne 1 au prochain tour, c'est plus rentable. On gagne 2 du coup au prochain tour. Ça fait fondeur. Électrisation. Défense, ça ne suffit pas. Un point. 7 au prochain tour. Boucle.
Tac. Ténèbres me paraît bien. Son ténèbre défend. Ce qui m'apparaît être le meilleur, puisque activation double ça fera 8. Faut mieux que je défende un minimum sur ces premiers combats. Pour éviter d'être. Est-ce qu'on pourrait pas le tuer? 6. Moi je peux pas activer deux orbes en fait, c'est le problème. Donc. On va se défendre au maximum. On va rebond. Décharger les batteries. Défense. Ça passe. Fusilage plus, ça me va. J'ai vraiment l'impression de faire toujours les mêmes decks. Transformer une carte. Une frappe. Oh, oh là là. Là on est pas mal. Bon, on va gagner de l'or, c'est bien. Il y a du marchand pas loin, on va gagner de l'or. Alors. Pendant 7 heures, on prend 6 quand même. Alors, si on fait pendant 7 heures, 7 plus 5, on prend 2. Le tampon, on peut le garder pour plus tard. Enfin, pour un peu plus tard. En tout cas. Je sais pas c'est quoi son effet négatif. C'est. Un truc qui va nous déboîter en fait, sur la fin du tour. Ouais, c'est vraiment un truc qui va être très très chiant. 9 et 9, 18. Pas bien. Non, ça va. Non, il me reste un abattement. Et on a d'autres trucs. C'est bon, on a gagné. Ok, pardon. J'avais pas vu. Doublez votre énergie, épuisement. Pourquoi pas? Ça peut bien comboter. Il va falloir qu'on vire des cartes hein, quand même. Non, non. Ça, ça peut être bien. Ça aussi. Et là, je virerai des cartes. Les ténèbres sont bien en soi. Les deux boucles me servent à rien. Enfin, si, parce que ça double. Ouais, non, je sais pas. La frappe, c'est sûr qu'elle ne sert à rien. Sortir des lignes, ça ne m'intéressait pas. Pack. Alors on a dit pack. Pack, ok. Repos. Forgera plus tard. Récursivité, c'est très fort. Aïe aïe aïe. Chrysalide, bandage, ouais, non mais bandage, c'est bien. Il nous faut qu'on retire des cartes. Il faut qu'on retire des cartes et il faut qu'on retire des attaques, en fait. On a besoin d'aucune attaque dans ce jeu. La boucle, c'est fort. Je joue, en fait, autour de l'électricité et du fait que... Après, ces deux cartes sont super utiles en soi. Il en faut une qui soit moins utile. Ça, pour l'instant, j'en ai plus trop l'utilité.
J'ai trop de cartes dans mon deck. C'est vraiment situationnel quoi. Et j'ai assez de... J'ai assez... Ouais. Non, je sais pas. Ah! Je sais pas quoi retirer. En fait, j'ai plein de cartes à améliorer, mais des cartes à enlever... Alors, ça, on l'utilise. Ok. Ça, c'est fort aussi. Les deux boucles, on les utilise une fois, donc ça va. Le rebond est situationnel, décharge électrique c'est très fort. Attends, pour condensateur on peut pas. Non. Je sais pas, j'hésite entre fondeur, fusillage. Récursivité c'est trop fort. Énergie double c'est la même chose. Énergie double va combattre avec tempête. Foudre en boule c'est vie chronique. Ça avec deux de concentration je les veux. Frappe chronique on n'enlève jamais. Non, il faut qu'on enlève. Fondeur c'est celle qui fait le moins de dégâts. Même si ça passe l'armure en soi, ça fait que 10 de dégâts. Après ça passe l'armure hein, sur des mobs chiants. On va regretter de pas l'avoir. Ouais. Non, je vire une défense. J'ai déjà saut. J'ai saut à la place, ça sert à rien. Non, pas que je vire une défense. Les défenses, si je les améliore, ouais, je suis trop bien. Ça fait 8 d'armure, c'est déjà pas mal. Parti. Fondeur, adieu. Je vais regretter ce choix, je sais. Récursivité peut coûter 0. Quoi d'autre qui peut coûter 0? Activation d'eau peut coûter 0. Récursivité. Allez, c'est parti. C'est parti. Sorture potion. Là, je m'en fiche, j'ai des clés pour l'instant. Clairement, on a un élite pas loin, je préfère me reposer avant d'aller le faire. Ouais mais bon, elle est améliorée mais... Cible c'est fort. En fait cible j'en ai discuté et c'est vraiment très fort. Allez. Sandor, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Ça l'active. Ensuite, on va rebond, fuselage, défense. Aïe, on peut pas faire ça. Fuselage, on s'en fiche. Les défenses sont pas méga ouf là. C'est pas fou. Cinq, dix, quinze, vingt. Aïe, on peut pas le tuer. Ok. Je savais pas que ça faisait ça. J'ai pas vu. Pas lu. Ah, j'ai fait n'importe quoi. On passera jamais cette élite. C'est eux qui font vraiment mal. Non, lui surtout faut qu'on le tue. Tac. 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 J'ai pas ciblé là ? Attendez, oh non, je suis mort en fait. Oh là 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 là. Tant pis. Ah, nouvelle récompense. Ça c'est plutôt cool.
câble plaqué or. Je sais pas ce que c'est. Ah si. Votre orbe le plus à droite déclenche sa capacité passive une fois supplémentaire. Le navet, mais on l'avait déjà le navet. Débutez chaque combat avec 3 emplacements d'orbe supplémentaires. Pareil, le condensateur unique me parlait. Mais le navet, je suis sûr de l'avoir déjà eu. C'est pas grave, on est reparti. On est reparti. Parler. Retirer deux cartes, allez. C'est PV max, mais c'est pas très important. Sur une carte, on a plus de dégâts. Clairement, là, il va falloir qu'on chope du dégât. Relique et malédiction. Ouais, super. Très utile la relique. Là, vraiment, il va falloir qu'on chope des attaques parce que clairement. Non, on perd autant de PV. Mais... Oh, la malédiction par contre, le mec il va tout le tour. C'est pas super fou. Récursivité, ça me va. Marchand, bonjour. Oh, tempête. Ouh, c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. Tempête, elle est bleue. Elle, elle est or, donc on l'aura pas forcément. Bon, la bombe, c'est du troll. Ah, ça, ça aurait été bien, clairement. On va faire ça. Attaque, forgeron. Le but, c'est d'avoir des cartes qui coûtent 0 pour l'instant. Ça va, on se débrouille pas trop mal. Ça va faire double défense. 7 x 5, 35, c'est pas suffisant. Non, 7 x 5, 40, je dis n'importe quoi. Là, il aurait été mort en fait. Adieu. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'elle se... Non. On va vraiment jouer full ironique. Vu qu'on n'a pas beaucoup de cartes, on va essayer de... On va se reposer, il y a un autre élite après. Vu qu'on a pas beaucoup de cartes, vraiment, on va essayer de prendre les bonnes... Vraiment les bonnes solutions. Ah oui, c'est vrai qu'on a le jeton. C'est bien ça. On a besoin de 2 de défense. Ça, on va pas l'utiliser. On a besoin de canaliser des orbes. Ouais, on va essayer de voir. Ce qui est le problème, par contre, c'est que sur ces mobs-là, c'est moi qui choisis. Hein. Clairement. Je vais voir ça sur ce tour, je pense.
Mince, c'est elle que je voulais faire. Tant pis. J'ai joué trop vite. Ça c'est horrible, le fait que la malédiction soit jouée avant que les hébêtements partent quoi. Enfin, un ennemi aléatoire pour chaque corde. Ouais mais là clairement on le fait 4 fois, donc 7 fois 4 ça fait beaucoup mais je vais pas avoir de chance. Ça va, enfin, j'aurais bien aimé que ça le fasse plusieurs fois. En 18 on accepte. Allez, on perd. En vrai, ça s'est mieux passé que ce que j'aurais pu espérer. Enfin, on l'a pas tué, mais... Encore un événement. Tempête, on peut la choper du coup. Ça, c'est cool. Ah oui, c'est vrai que je me heal. Oh, c'est trop fort. Ça, j'ai pas la joué. Ça, j'ai pas la joué. Ouais, je garde deux défenses. C'est toujours utile. Récursivité. Défense. Boum. On peut pas laisser une tempête maintenant. Une électrisation. Une tempête. Prochain tour, il est mort normalement. Voilà. Non, non, non. Rien ne m'intéresse. Adieu. C'était peut-être pas le bon chemin, franchement. Récursivité, ouais. J'ai pas place à la tempête maintenant. Électrisation, défense. Récursivité, ça me paraît pas mal. Cette fois 3-21 plus 6, ça fait pas assez. Je peux tempête, mais je prends 11 quand même, ce qui est énorme, sachant que j'ai un élite derrière. J'ai mob élite. Je peux pas me permettre de prendre plus en fait, c'est pas possible. J'aurais peut-être plus tempête en soi. Ah, c'est bon, il est mort. Voilà. Tempête, c'est bon, on va pas faire collection par contre. Oh là 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 là. Ouais. Aïe. T'as eu 16. Permet de tempo plus en fait. Ok, on prend plus 8. Ah, l'élite il va être compliqué là. Ça passe. Non! Faut que ça passe là, clairement. C'est bon, dans tous les cas ça passait en fait. J'ai paniqué pour rien. Non! Ah, d'accord, c'est pas forcé que ça les touche. Aïe. Défense, on s'en fiche. Attaque, on s'en fiche. Activation double, on s'en fiche. Là, clairement, ce qu'il me faut, c'est l'électrisation. Et ou la tempête. Ouais. Thank you.
C'était compliqué, hein. C'était compliqué, hein. Bon, bien repos. Aïe, aïe, aïe. 32 HP pour le boss. Tac, tac. Dans la tempête, on peut attendre un peu. Non, on commence pas avec les enjeux. Hein. Ah là j'ai 36. Même si je bois ça, que je fais frappe, je ne le tue pas. Attends. Oh ça m'a tordu. Ça l'a été rompu mais les deux font mal là, clairement. Alors, est-ce que je fais tempête ce tour? J'accepte de prendre 18 plus 12 et je meurs pas. Par contre... Oh, par contre, en fait, non, j'ai perdu. Oh non, je perds contre ce boss. Tristitude! Je retenterai ma chance demain. Eh bien... Eh bien, la déception. Ah là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On arrive avec trop peu d'HP, c'est dommage. C'est très dommage. Allez, on persiste, on signe. Cette fois, faut qu'on y arrive, quoi. Alors. Non. Ouais, ça c'est mieux. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. De toute façon... on prenait les 6, hein, donc... voilà. Ok. Moi je glacière. Ok, ça c'est cool. Au début de chaque tour, on améliore une carte aléatoire. Moi ça me va. Quand on a pris la douleur. Problématique. Ok, 5. Suffit. 2, 7. Activation double mémoire. Ok, c'est pas mal. Décharger les batteries est bien. Adieu. Potion d'attaque. Et bah du coup on peut prendre le hug de froid. Qu'on n'a pas pu prendre auparavant. J'ai eu deux combats dans tous les cas, j'aurais pu aller en marchant quoi. Tac, tac, tac. Ah mais on se tape les lits de feu. Ouais non mais à un moment dans la vie, faut prendre. Défense plus. Sans froid. Elle m'embête cette carte, hein. Clairement, elle est pas folle. Oula, on a beaucoup de lag là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça lag? Ne lag pas, petit ordinateur. Tout va bien. 10 d'armure. Je vois que 3 frappes.
Et adieu. On va ajouter une carte. Non mais ça me saoule, c'est nul. Non mais pareil, 1 de vulnérabilité. Ouais, 4 de dégâts de vulnérabilité, c'est nul. Ça coûte 0, je sais. Enfin, c'est pas nul. En vrai, c'est bien. Parce que ça coûte 0. Et que ça veut dire qu'il y a un tour où elle subit 50% de dégâts supplémentaires. Ce qui est pas mal. Mais ça fait une carte en plus et... Ouais, je sais pas. Allez. Le problème c'est que là on a un feu, on a un élite, on a un pif, coffre, élite. Alors que là on a un feu, on a élite, feu, tac, et en fait on se retape un feu, élite là, mais on a plus de feu. Quoi. Alors, le but c'est d'avoir le plus de feu possible. On va prendre la potion d'attaque là sur ce tour, je pense. Histoire de voir ce qu'on peut avoir. Infligez 10 dégâts, placez toute carte tout en 0 de votre défausse dans votre main. Est-ce qu'on en a? Dommage. 24 dégâts. C'est bien des assemblages là, 24 gratuits. Boum. Boum. En vrai, on prend pas si cher que ça. Bon, il meurt pas à ce tour, mais c'est pas très grave. Boum, adieu. Tori, lorsque vous êtes sur le point de subir 5 dégâts au moins, suite à des attaques non bloquées, réduisez-les à 1. Ça, c'est pas mal. La récursivité, on l'a? On l'a pas? On l'a pas, pas sur ce deck. Incursivité, je pense que c'est toujours fort. Il nous faut un feu. On se repose pour en améliorer au prochain. Transforme une carte. Ouais, mais ça la transforme en malédiction ou pas? Ouais, non. Une frappe. Attendez, c'est quoi cette carte déjà? Quand on joue un pouvoir, pioche une carte. Ok. Kunai. Ouais, on va jouer quelques attaques donc en soi, ouais, Kunai c'est pas bien. Électrisation. 103. Super. Décharger les batteries, ça me paraît mieux. Prévoit le prochain tour et en plus. Ça fait moins mal. On peut tout jouer. La douleur, ce serait bien de la virer à un moment. Récursivité. Frappe. Bah là, il est pas mort. Non, non, il est pas mort. Plus. Allez, hop là, adieu. Orage, quand vous jouez un pouvoir, canaliser un arbre chironique. C'est fort. C'est très très fort. On a juste qu'on jouait glaciaire, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais c'est pas grave. 45 sur 82, il y a un moment, faut que j'améliore des cartes. Donc ce moment, c'est peut-être maintenant. Alors, tac tac. Sombre, 0. Incursivité à 0, c'est fort. J'aime beaucoup. Ça va être semi-compliqué, semi-sympa. Défense plus suffira largement.
Alors, on va être fou les vêtements là. Non, ça va. Tac, tac. Vague de froid, activation, voilà, défense, pardon, excusez-moi, j'ai fait un peu de tab pour voir si tout allait bien, parce que je sens que ça lag de temps en temps, alors peut-être que ça se verra sur la vidéo, je suis totalement navré, c'est indépendant de ma volonté. Celui qui va mourir, c'est lui. Ok. Oula, attendez, je regarde juste mon PC 2 secondes. On va lui remettre quelques dégâts. Défense, défense. Là, on est pas mal niveau défense, mais... ça me suffit, franchement on les gère, je sais pas, on nous est à 50 HP, on a perdu 25, mais d'habitude je repère 80, donc en soi, on les gère plus ou moins, et adieu. Clémro, il me sert à que dalle. Sinistrose, non. Non. Pif. Marchand, youpi. Non. C'est une carte à ajouter à votre main parmi 3 cartes aléatoires, elle coûte 0 ce tour. Non. Oui, Blizzard, oui, pourquoi pas d'un côté, parce que je joue que Orbe Glaciaire ou presque. A la fin du tour 7, infligez 50 points de dégâts. 52 points de dégâts, ouais. J'ai quoi dans mon deck qui peut être sympa? Non mais en vrai elle peut être bien. Ça peut être bien aussi. Et j'ai bien envie de virer une carte aussi. Bah oui non, de toute façon, attends, ça je vire. J'ai 200 millions. Ça je vire, c'est bon. Donc je peux plus prendre de reliques. On prend Blizzard. On prend Blizzard et on prend Ah, gagner autant d'armure qu'il y a de cartes dans votre défaut, c'est plus 3. Ouais, ça peut être pas mal hein. Ça peut être pas mal. On rejoint un deck armure. Moi j'aime bien. Le fameux deck armure. El famoso. El famoso deck armure. Bon, ça sert à rien. Ah, dommage. J'allais bien tuer. Là le... ça m'embête un peu. 6. Ça, récursivité. 5. Plus 3, 8, plus 2, 10. On est pas mal. Hop. 2 de dégâts par blesseur, donc celle-là ça fait 4. Alors que si je fais ça. Électrisation. Ah d'accord, ok. Activation 2, défense. Et là, normalement, il est décédé. Non, mais ça, c'est fort. C'est fort. Bon, on est plutôt pas mal. Faut qu'on arrive à choper plus de cartes qu'ironique dans ces cas-là.
mais on est plutôt pas mal. Ouais, la potion de poison, de toute façon, ça servira pas forcément plus tard. Et... fait toujours 6 points de dégâts gratuits. Tac, tac. Ouais, on prend 32 là sur ce tour. Bah 32 moins 9 quoi, 23. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord, donc j'ai joué un pouvoir. Donc j'ai canalisé un orbe et ça a poussé et ça a touché tous les ennemis. Donc ça a touché celui-ci. Ok. Décoration, activation. Récursivité, défense, défense. Ça fait 9. Je mets une frappe gratuite. Électrisation, vague de froid, décharger des batteries. Ouais, ouais, ouais. 5 fois 4 vents. On fait que 6 dégâts là. C'était nul. C'était nul. Mais cette carte elle est nulle en fait. Pourquoi est-ce que je l'ai prise? Elle est toute pourrite. Blizzard c'est nul. On peut faire électrisation. On sait que dans 9. Ouais, ça va. Récursivité. Tac. Décharger des batteries. Défense. Ouais. On est plutôt pas mal. Là c'est pareil, Blizzard plus 3 de dégâts, ça fait que 15. C'est nul. Et du coup attendez, c'est une attaque, donc je vais prendre cher si je fais ça. Activation double. Défense, bizarre. Ah non, je prends que 3, ok. Au moins je sais, Au moins je le sais. C'est pas mal. Bon alors, on casse. En fait non, c'est bien sur la fin du combat. Sur le début, c'est nul. Ok. Fait 18 plus 16. Pas possibilité de le tuer là. Ah si, c'est bon. Voilà. Potion de concentration. Youpi. Non. Ouais. J'ai envie de jouer avec ça. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Allez, boîte de Pandora. Blizzard, cool. Ça, cool. Ça, cool. Enfin, ça, c'est chance, je l'en double. C2, c'est cool, mais elle, il faudra que je la joue. Ça, c'est... ouais. J'ai pas tant de cartes qui coûtent 0. Oh, mais ça, c'est nul. Ça, c'est... enfin, je pourrais, je sais pas, à voir. Ouais. Non, mais il y en a qu'il faut que je vire. Ah, mes oreilles. Clairement, je suis désolé pour vos oreilles, moi ça fait clic comme ça, comme si quelqu'un m'avait susurré des mots doux à l'oreille. Pourquoi réfléchir? Je ne sais pas. J'ai envie de réfléchir un peu. Oui, j'ai vu que la dernière fois ça vous plaisait pas quand je vous laissais 2 minutes pour regarder, etc. Donc, ouais, pas de soucis.
J'arrête, je vous laisse pas regarder, moi je regarde en tout cas. Je regarde dans ma tête, il se passe plein de choses, et surtout en fait je me dis mais... Ah là là, on va devoir se prendre au moins 3 combats dès le début. Parce que le chemin à droite là, il est tout pourri. Et moi j'ai envie d'avoir plein de feu pour améliorer mes super cartes, grave cool. Genre tac 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 ou tac 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 tac, ça peut être pas mal. Ouais. Dès le début on se prend 3 combats. Donc, super. Ouais. Alors c'est pas fou, hein, clairement là. Est-ce que ça tape tous les ennemis ça? Ouais. Non mais clairement là c'est nul. Dans tous les cas c'est réduit à 1 du fait de ça, du Tori. On va faire. Non. On l'active 3 fois, 8, 16. Ouais mais faut que ça touche un seul mec en fait. Donc c'est nul. On va faire orage, électro, récursivité. Voilà, allez, salut, c'était un plaisir. Ah. Alors, j'ai pas trop compris le combo que j'ai fait, clairement, je vais pas vous mentir. Mais en fait, je sais pas si c'est la traduction des cartes ou si c'est moi qui comprends rien. Ouais, non, mais là, les cartes plus, ouais. On a vraiment eu un truc dur. On a que récursivité qui coûte 0, hein. Franchement, c'est pas fou. Ok. Orage, électrodynamique. Ça canalise 3 pouvoirs de. Enfin, c'est ça que je crois, c'est que ça canalise. Quand vous jouez un pouvoir, canalisez un anachronique. Les hommes, canalisez 2. On en canalise 3. Sauf qu'ils touchent tous les ennemis. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, ça les a des boîtes. Bon là je suis deg de pas pouvoir jouer ça. Clairement j'avais pas beaucoup de défense là, hein. Oh la fission. Quoique non, ah non. D'accord. Oh la fission, ça peut être pas mal. On active tous les orbes. En vrai, c'est pas trop mal. On gagne un, on pioche une carte pour chaque orbe. Là, on peut électrisation et activation multiple. Voilà. Non, c'est bon. En fait, il y a des cartes qu'on garde et des cartes qu'il va falloir qu'on vire, mais je sais pas trop lesquelles. Genre ça, c'est nul. Ça, je trouve ça nul, vraiment. En fait, non, je retire ce que j'ai dit vraiment sur la fissure. Sur le tous pour un, non. Bref, le tous pour un, ça sert à rien. Mais la fission, en vrai, c'est bien. Alors. Ah, moi, canalise 3 quand elle est plus. Ok. Donc, on va orage. On va. Tac. Ah, bah, c'est cool. Il m'attaque pas en plus. C'est pas fou. Hein. Ouais, c'est pas super fou. J'aurais bien aimé. Amplification, en vrai, c'est une bonne carte. Aïe. Oui. Wouhou. En vrai ça va. Non, on a un bon deck en vrai, mais j'ai pas du tout envie de courir avec d'autres cartes. Pourtant j'ai envie d'en virer. Je fais quoi? Je passe par là? Ou je passe par là? Peut-être qu'il y aura un marchand. Transformer deux cartes. Obtenir une relique spéciale.
La relique spéciale, on sait que c'est, on obtient 3 de force, voilà. La dope, ça ne me sert à rien parce que je peins deck force. Là, ça c'est bien pour guerrier en vrai. Pourtant on ne croise jamais avec le guerrier. On va transformer 2 cartes. On va transformer tous pour 1 et déluge. C'est clairement les cartes qui me servent à rien. Le reste ça va. Hein. Clairement le reste c'est pas non plus horrible. Turbo, donc ça me va plutôt bien. Et frisson. Oh ça c'est cool. Franchement, je suis plutôt content de ce qui est en train de se passer. Oh non, mais ça, je dois le jouer avant. Ça, je dois le jouer avant. Cicrisation. Tac. Vague de 3. Ah, dommage. Bon, là, par contre. On peut boucle. On peut turbo. Tac. X plus une fois. Ça fait qu'on a 5, 10, 15, 20, 25. Ouais, donc en vrai, on se protège pas mal. Mais après, si on fait ça, ça suffit avec ça. D'avoir eu ça après. Récursivité on a déjà. Auto-réparation. Auto-réparation ça rajoute une carte. Après ça peut être utile hein. Ouais. On met à combien? Faut que je me repose. Je peux pas me permettre de perdre. Là on a perdu à cette game. Là le but c'est de gagner. C'est tout. Orbe ironique. Ok. Le problème c'est qu'on prend quand même 14. Hein. Hop là. Gratuitement. Ouais. Ah non, on aurait dû faire ça. Fission. Alors attendez. Pin. Chou. Oh, j'ai pas celle-ci, c'est bon. Ok. Récursivité. On garde le pile pour la fin en fait. Tac. Bah c'est bon, on se soigne assez. Là on fait bam. Si ça l'a activé 3 fois, c'est pas mal. Tac, tac. Ok. Ah, je dis souvent ok parce que je calcule dans ma tête. Mais du coup, s'il faut que je règle face à haute voix, ce serait peut-être mieux. On est à 5, donc il faut que je mette plus de cartes dans mon. Ah, là on fait 12, plus 12, plus 18. What? Ah, on le déboîte avec ça en fait. Est-ce qu'il y a un truc qui nous aide? Oui. Oui. Tadam! Voilà. Non. Mais en fait, je comprends pas. 24 points de dégâts, 3 arts plasmiques. Tu pourris ton tour pour faire ça. Démarrage me va bien. Quelle carte serait bien améliorée? Piéger 2 cartes, oui. En inné, ça pourrait être bien celle-ci. Ces deux blizzards. Les deux blizzards, en vrai, ils sont abusés. Ils sont un tout petit peu abusés.
Pardon. Excusez-moi. Ah, j'ai éternué gratuitement. Tac. Ouais, on n'aura jamais tout nous baiser, mais c'est pas grave. Cool, un de vulnérabilité. Ah, ça fait toujours du bien. On va forger encore. Ça. Comme ça, on a certes pas trop de trucs pour les orbes, mais on est pas mal. 99 gold. Lilith, j'ai pas envie. Lilith, j'ai clairement pas envie. Là, je savais qu'il y avait un marchand. Bien joué, ça. Pour l'instant, 3 orbes, ça me va. Cool, on améliore des cartes. Et je suis chaud pour en retirer une, peut-être genre un blizzard. Quoique, ça m'a sauvé quand même. Et vu le nombre d'orbes qu'on... Ouais, non, mais avoir 8000 cartes en double, ça sert à rien. Un blizzard. Ouais. 8 d'armure, c'est pas fou. Démarrage. Okay. Aïe. Faire grand chose d'autre. Oh, ça m'embête. Tac, tac. Là, je prends 10. Ah, clairement, le Gekobra là. Le Gekobra. Oui, c'est un gecko. On tempo un peu de réparation. Celle-ci, il faut la jouer un moment. Dernier, on gagne encore un d'énergie au prochain tour. Turbo, non, un coup de 3, ça sert à rien. Dernier, encore 2 orbes glaces. Oh, mais ça m'embête. On n'a pas tant de cartes que ça, on a quand même pas mal de pouvoir. Là, je me rends compte qu'en fait, on a que seul l'électrisation pour rebalancer des... C'est pour ça que le blizzard était bien. Ok. C'est pour ça que les deux blizzards étaient bien, c'est que ça fait plus de dégâts. Parce que là, on a qu'une seule électrisation. Au tout début, on a un gros stock de dégâts, mais après, on a plus rien. Il nous faut d'autres cartes électriques. D'autres cartes électriques. Les chérics. Pas jouer ça, du coup. Ces deux, on en a pas besoin. Ces trois cartes s'épuisent en fait, donc en soi. On va les garder.
truc, c'est que j'aimerais bien garder mes... Mais je peux pas me permettre de le faire, en fait. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pardon. Le nombre de buffs et de debuffs que j'ai sous moi quand même, c'est fou. Ok, le néant a disparu. 36, aïe. Tac. Ça sert à rien. Okay. Ça sert à rien, on va le garder pour l'instant. En vrai, j'aime bien mon deck, mais je comprends pas. Enfin, si, je comprends la synergie, mais je. Putain, je suis tellement concentré. Ce perso me tue. À chaque fois, je suis obligé de me concentrer, mais de toutes mes forces. Ok. 5. Donc, si je fais ça déjà. Ça fait 6 fois 5. On se protège de tout en faisant ça. Est-ce qu'il serait pas plus rentable de faire 11 ? Un de dégâts. Ah oui, ça commençait à tabasser. J'aime bien l'idée de mon deck en fait. forme résonante, bof. Fission. On a déjà. Ouais. C'est pas fou, c'est pas fou. Et ça, on l'a déjà. On passe. Ah, les élites, ils font 2. Est-ce qu'on irait pas grid des élites? Parce qu'on a quand même énormément de dégâts. Et on peut quand même pas mal tempo. La maison, ça peut être bien, mais bon. Plus obtenir de potions, ça me dérange pas forcément.
gagner 1 au début du tour. Mais c'est pas l'énergie qui nous manque, hein. Franchement, ce serait plus... ouais. Je suis plutôt chaud d'aller voir des reliques. D'aller voir des élites, pardon, pour choper des reliques. Oula, oula, ouais, ce chemin. Tac, 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 tac. Quoique là, on peut aller... ouais, non. Élite. Feu, élite. Coffre, mob. Et là, soit on verra comme on a, soit on se fait un élite de pif. Ou un élite pif-feu. Ouais, élite pif-feu, ça peut être bien. C'est compliqué, hein, ce chemin, quand même. Non, mais en vrai, ça peut être bien. Oh là là. Hausse en réparation... Orage, démarrage. Okay. Normalement ça passe. On a électrodynamique, on n'a pas tempête. On peut pas piocher. Le moins d'HP possible. Bye bye. Ok. Assez. J'aurais moins bien au moins t'aimer le PV max. Transformer une carte. Quelle carte est-ce qu'on a envie de transformer? Est-ce qu'on a vraiment envie de transformer une carte? Ça la question. Ça, ça nous fait de la pioche. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Enfin, ça commence à être bien. Pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est bon. Enfin. Alors, franchement, j'ai juste envie de transformer que dalle. Pour l'instant. Non. On va ignorer l'hôtel et on va s'en aller. Tac. Mince. Voilà. La potion ancienne ne m'intéresse pas. Le saut, on l'a déjà. L'énergie double qui s'épuise. Pourquoi pas, mais non. Non, franchement, non, même pas. Non. Non. Franchement, activation multiple, même pas. Boucle, c'est bien sur l'électricité et ça, ça. C'est-à-dire que c'est celle qui a le moins de. Qui est le moins présente dans le. Dans le deck. Ok. Des bons premiers tours, hein, clairement. Ouais.
jouer. Allez, les orbes, s'il vous plaît. Ça, ça m'intéresse. Ah, j'aurais aimé jouer ça aussi. Ça fait 3. Et eux meurent, normalement. Voilà. Ouh. Tout s'est bien passé. Je préfère l'armure plaquée. Allez, alors. Ça, on s'en fiche. Ça, ça. Ok, là, on passe à 1 de dégâts sur lui. Il va me faire si mal que ça par contre. Ouais, je suis obligé là. Sur cette élite là. C'est un élite en plus. C'est un mode. Non, c'est un élite. Pardon. Ouais, ouais. Récursivité me sert à rien, c'est toujours ça. Oh, les cartes tombent pas les bons tours là pour l'instant. Ça m'embête vraiment. Oh, les brûlures. Pire chose. ⁇ 45 encore, t'es sérieux là? D'énergie, et ça ne sert à rien du tout. Aïe. Que le blizzard fasse le taf là. Je meurs clairement là-dessus. Aïe aïe aïe. C'est dommage. Je vais avoir besoin d'un nouveau plan. C'est vraiment dommage. Le deck était vraiment pas mal, hein. Je suis dubitatif. On s'était mis plutôt bien. Et je pense pas avoir mal joué sur ce combat. Là vraiment, je suis totalement dégoûté. J'ai pas joué. Non, j'aurais peut-être dû jouer les. Non, mais même si j'aurais joué les glaciers avant, j'aurais eu quoi, 6 dégâts de plus. J'ai fait 18. Donc c'était pas fou. Mais bon, mais en tout cas, je vous laisse regarder le deck si vous voulez le refaire. Je pense qu'il peut passer si on tombe pas sur Stellite en tout cas. Mais du coup voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette. Oh, on a gagné pas mal d'XP. Donc normalement, bientôt, on aura toutes les runes et toutes les cartes pour ce très cher... comment il s'appelle? Ce très cher robot. Je vous remercie d'avoir suivi cette game. C'était Malicus pour vous servir. N'oubliez pas de me dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. De me laisser un petit pouce bleu si vous en avez envie. Et puis, faites attention à vous, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.